Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. J'espère que nous allons bien, j'espère que je vais bien. Désolé, enfin, désolé. En sachant que personne ne me regarde, c'est pas grave. Mais je m'excuse quand même si quelqu'un regarde la rediff. Ma wifi a planté parce que le paiement automatique ne s'est pas fait. Pourquoi je ne sais pas. Donc j'ai dû le payer direct et puis ça arrangeait les choses automatiquement. Hein. Et là, même en me réveillant ce matin, je n'avais pas la Wi-Fi. C'était quand même un peu problématique. Hein. Après ça va, j'ai pu sauvegarder les jeux. Et j'étais plus en train de faire... comment dire? J'étais plus en train de faire du... Merde, du shopping qu'autre chose. Enfin, je me requinquais, on va dire. Après, c'est toujours la même... Toujours... Ah, regardez. J'avais carrément zappé, j'étais comme ça. Donc ouais, voilà Drake en mode Halloween. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller on va aller à Poudlard. Et on va apprendre de nouveaux sorts. Il y a Wingardium Leviosa et je ne sais plus lequel c'est, le deuxième. Le poulet, il est pas... Donc voilà le Drake en mode armure et version citrouille. Mais je trouve que ça lui va bien. Ça lui va bien, ça lui va bien. Bon, on va partir à Poudlard. Déjà récupérer. On va récupérer le livre. Action. Hop là. On va à Poudlard. Hop. Pour aller voir Madame Bibine là déjà. On va aller voir Madame Bibine quand même. La plus belle gosse du... La belle gosse, bah regardez, hop, devant professeur Bulbine. Bulbine, la belle gosse du jeu. Oh, allons voir la belle gosse, elle est où?
dans l'autre pièce. Let's go. Ah, madame Bulbul. C'est un enchantement de... J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Ravi de l'entendre. Le professeur Weasley le sera aussi. Je lui ferai savoir que vous vous débrouillez bien. Merci, professeur. Vous avez appris des vieux sauts avec le professeur Hecate. Vous devriez réussir à apprendre un sortilège de lévitation un peu plus technique. Wingardium Leviosa requiert un peu de concentration et un joli mouvement de baguette bien gracieux. Voyons si vous y arrivez. Si vous vous appliquez, vous devriez pouvoir soulever des rochers comme s'il s'agissait de brins d'Achilles terminatoire. Je te dis, hein. Merde. Et comme la télé, elle est loin, j'arrive pas à faire la différence entre le carré et le rond. C'est chiant. Bravo! N'hésitez pas à vous entraîner à Wingardium Leviosa dans la serre. Je vous pas ai de soucis. Attends, par contre, je viens de voir un truc, là. Il est où le Wingardium Leviosa, là? Là. Ouais. Si on est dans la salle d'à côté. Mais c'est une belle coupe courbée celle-là. Ça va à la salle. Ça fait des squats. Wingardium Leviosa. Vous avez un don naturel. Oh, me drague pas, s'il te plaît. Professeur, je me demandais d'où vous veniez. Où avez-vous grandi? Oh, c'est si gentil de vous y intéresser. Eh bien, j'ai grandi à Londres, au bord de la Tamise. Cela devait être incroyable, toute cette animation. Pour certains, oui. Mais moi, je rêvais de vivre à la campagne. Ce n'est que depuis que je suis à Poudlard que je me sens vraiment chez moi. Cela a pris du temps, voyez-vous. Et bien que je souhaite ardemment que chaque élève se sente comme chez lui ici, tout comme moi, ce n'est pas toujours le cas. J'imagine que c'est logique. Eh bien, nous évoluons tous différemment. Certains, comme le filet du diable, préfèrent l'obscurité, tandis que d'autres rêvent d'attention, comme le bulbe sauteur. Nous ne grandissons et n'évoluons pas tous à la même vitesse. Oh, j'étais terriblement nerveuse quand je suis arrivée ici. Vous voyez, quand j'étais enfant, je ne savais rien des sorcières et des sorciers. Je vous laisse imaginer ma surprise quand j'ai reçu ma lettre de Poudlard. J'ai passé beaucoup de temps seule dans la serre ou dans la bibliothèque pendant mes premiers jours ici. Il faut du temps pour s'habituer à la vie ici. Précisément. Et j'ai eu beaucoup de chance. Une élève de 7e année m'a même prise sous son aile pendant mes premiers jours. C'est toujours l'une de mes meilleures amies. Était-ce Sirona Ryan? Oui, c'est bien elle. Comment le savez-vous? Sirona a été très gentille avec moi aussi. J'ai récupéré une boîte de lettres auprès de Madame Sprottle pour elle. Oh, cette chère Madame Sprottle, elle s'étonnait toujours de l'étendue de mes connaissances magiques. Comme je suis née moldue, je suis sûre que les amis que vous vous ferez ici à Poudlard seront vos amis pour la vie. Bon, je ferai mieux d'aller voir ce que m'a envoyé le navet magique. Monsieur Tisdale m'a promis un bel assortiment de graines cette semaine. C'était un plaisir.
Y'a que moi qui vois des sous-entendus sexuels ou. Alors, je sais que j'avais une autre quête avec un autre sort, je sais pas lequel. Le devoir du professeur Sharp. Obtenir et utiliser une potion d'invisibilité et obtenir et utiliser un breuvage contre les ennemis. Contre des ennemis, ok. Ok, ça, bon, ça l'homme derrière les lunes, ça va, je vais attendre aussi, il fait pas encore nuit. Bon, l'histoire de Roland Duchesne. Peux-tu m'expliquer pourquoi j'ai reçu une invitation à prendre le thé du Moldu qui prétend être la mère d'un de tes amis? Qu'est-ce que je t'ai dit au sujet des amitiés avec des nés Moldus? Je suis outrée. Tu ne fréquenteras plus cet ami. Et si cette femme m'écrit encore, je viendrai régler ça moi-même. Elle pauvre. J'essaie de la refaire comme j'avais fait tout au début. Ronald Weasley! Comment as-tu osé voler cette voiture? Je suis véritablement indigné. Ton père a fait l'objet d'une enquête au ministère et c'est entièrement ta faute. Si jamais tu refais un seul pas de travers, tu reviens tout de suite à la maison. Quant à toi, Jenny, chérie. Félicitations pour ton entrée à Gryffondor. Ton père et moi sommes très fiers. Arrestons mon esprit. J'aurais pas dû lui faire confiance. Ah, tais-toi un peu. Je ne pensais pas aimer la botanique. Alors. Ils sont drones, hein. D'où j'ai à savoir où ça se trouve, ça. Genre la carte de Roland, elle est où la carte de Roland déjà? Elle est là. Carte de Roland Duchesne. Va trouver. Où il se trouve, ici. Donc là il y a une tour. Faire défiler, ouais ben. J'ai entendu dire que tu protégeais Préolard des trolls. Ne va pas non plus risquer ta peau. C'est trop un peu. Là, je peux lui parler, non?
So. C'est une nouvelle quête, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Il n'a pas envie. Tu as gagné une bataille, mais pas la guerre. Palo ne rate jamais une occasion de se battre. Qui c'est qui me parle, hein? Pourquoi je me parle? J'ai entendu dire que tu protégeais Préolard des trolls. Ne va pas non plus risquer ta peau. Sam, rappelle-toi, tu as dû être extatique quand tu as remporté tous les combats de joutes magiques. T'as un souci avec moi, tu veux qu'on se tape ? Allô, Mora. Le sortilège du repousse-tout, Flipendo. Une fois que vous aurez terminé les tâches nécessaires, venez me retrouver dans la serre. Elle veut que je fasse quoi, la bulle-bille, là? Alors, faire bosser aux côtés du 6 cibres, ok. Obtenez 3 points de combat et utilisez simultanément, d'accord. Ah, je peux revenir, ah, je peux aller là. J'allais à la salle sur demande, j'allais à la salle sur demande avant. La carte, ouais, hop. Est-ce que j'ai une licorne à faire sortir du sac?
Voilà. Où sont les petites bêtes bêtes? Elles sont où? Ah bah voilà. J'ai des embêtés de plumes. Ok, on va nourrir ça. Ça. Et voilà. Elle a besoin d'amour, le bordel. Besoin d'amour et de nourriture. Hein. C'est l'heure de manger les enfants. Allez, on vient. Hop. Dans 24 minutes. T'as pas du foutage de gueule ça? Ah ça se fait, ok. Calme-toi, je ne te veux aucun mal. Ah, désolé, mais là... Pardon. Je suis désolé, je voulais pas. Je voulais pas. Je suis désolé. J'ai pas vu, ils ont des genres de runes. Putain. Je sais pas si je peux attendre, si on peut faire la nuit ici. Non, on peut pas. Non. Qu'est-ce que je fais là? Tout va bien à présent. On peut avoir un mangeoir automatique ici? On va essayer. Ah. Couture en pierre. Dans la pierre. Objet de créature. Ah, je peux pas. En cours de reproduction.
What? Oh, pour l'instant, je les laisse. Je les laisse aller libre. J'aimerais savoir comment changer l'ambiance de la salle. Bien. En fait, peut-être un autre jour. Allez, c'est parti.
Attends, si le truc est bien comme ça, que quand j'arrive là, il va y avoir un truc alors. Revelio. Ah, il me sent 11 km. Enfin, je sais pas si j'ai envie de le faire. Hein. C'est quoi la musique là? C'est bon. Hey, attends mon gars, t'as cru quoi? Ah, c'est ça. Ils ont mis ça, les décorations, parce que c'est bientôt Halloween dans le jeu, ou c'est parce que c'est bientôt Halloween dans la vraie vie. Et si ça fait ça, vraiment, c'est bien joué, hein. Allez, let's go. On va perdre moins de temps cette fois. Ah, genre j'ai pas droit là. Ok. Je
J'ai pas l'air de faire le tour, moi. Je fais le tour. Il doit y avoir un mode photo. Je ne veux pas croire qu'il n'y ait pas de mode photo. Genre ils auraient oublié de mettre un mode photo quand même. Oh, il y a un ennemi là-bas. Allons le buter. Compris, go. Alors, on va essayer Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. C'est censé être plus puissant que les vieux sauts. On est d'accord, Madame Bulbil a dit que c'était plus technique et plus fort que les vieux sauts. Alors pourquoi ça ne marche pas? J'aimerais bien savoir. Psst, par ici, discrètement.
Ah, je vois que tu as reçu mon hibou. Nous ne devons surtout pas nous faire repérer. Nati, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait ici? Comme promis, j'ai mené l'enquête pour connaître les plans d'Arlo. Je l'ai suivi jusqu'à la tête de sanglier. Je l'ai surpris en train de lire une lettre. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'elle portait la signature et le sceau de Victor Rockwood. Et il y a autre chose. Arlo a parlé de toi à ses collègues. Ils ne t'ont pas pris pour quelqu'un d'autre, par hasard? Non. Rockwood et Arlo sont bien à ma recherche. Pourquoi m'avoir menti? Et qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à quelqu'un d'aussi jeune? Le professeur Fig m'a demandé de ne rien dire, mais je sais que je peux te faire confiance, Nati. Ils veulent quelque chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts? Juste avant que j'arrive à Poudlard. C'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un porte au loin nous y a déposés après l'attaque du dragon. Mais qu'est-ce que... Il y a autre chose. Quelque chose de plutôt étrange, d'ailleurs. Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. C'est la magie que tu as utilisée pour vaincre les trolls à Préolard? Oui, je crois. Je ne la maîtrise pas encore, mais j'en vois les traces et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça oui. Et j'aurais d'autres questions à te poser. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Arlo sont un danger pour nous, pour tout le monde, et qu'on peut contribuer à les éliminer pour de bon. Cette lettre constitue la preuve irréfutable dont l'officier Singer a besoin. C'est pour cela que j'ai suivi Arlo jusqu'ici et que je t'ai écrit. J'ai besoin de ton aide pour la retrouver. Je t'aiderai à retrouver la lettre. Allons-y. Ravi de l'entendre. D'abord, nous devons accéder au donjon. Je vais examiner la porte. Vois si tu peux trouver une autre entrée. Je ne vois pas de garde, mais évitons tout de même d'attirer l'attention. Ah, bien sûr. Arlo est à l'intérieur, après tout. Ah, j'allais dire, on prend mon balai, mais bon, t'as pas envie. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Chaque fois que je prends des œufs de serpent cendre, ça, j'entends le bruit d'un truc de, tu sais, de billard. Je me demande à quoi ça sert. Arrête au momentum. Descendo. Leviosa. Ça n'a pas marché. Confringo. Peut-être qu'en y mettant un peu plus de force. Descendo. Revelio. Un pulso. Ça a fonctionné. Arrête au momentum. Les vieux sauts. Réveillio. Donc il faut quand même les gardiens les vieux. Les gardiens les vieux. Wingardium les vieux. C'est un coffre. Ouais. Ah. Ça passe un truc. Wingardium Leviosa. Ah.
Wingardium Leviosa. Levioso. Voilà. Ouais, voilà. Je dois trouver un moyen d'entrer dans la guérite pour permettre à Nati de passer. Repulso. Bonjour. Un cul-de-sac. Il doit y avoir un autre accès. Propulsion. Wingardium Leviosa. Revelio. Repulsion. Wingardium Leviosa. J'allais dire, ouais. J'ai l'impression que ça permet de lever la herse. Je n'arrive pas à croire que je dois écrire ça. Mais vous n'écoutez pas, bande d'imbéciles. Vous devez pousser la porte pour l'ouvrir et non pas la défoncer. Si, la retrouve... si je la retrouve encore en mille morceaux, je jure que vous allez regretter. Bon bah... Réflexion. Les vieux sont... Leviosa. Wingardium Leviosa. 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 Wingardium Leviosa. Leviosa. Ce serait action. Répulsion. Mais non. Action. Répulsion. Action. Bien joué. Je monte tout de suite. Attends, appuie, allez, déjà que tu m'entends. Je savais que tu y arriverais. Par ici, je vais ouvrir la porte. Voilà le donjon principal. Je pense qu'on y trouvera Arlo et la lettre. La prudence sera de mise une fois à... Je les entends. Calmez-moi cette bête. Ah, il faut vivre. Céleste. Tu connais cette hippogriffe? Ramenez-moi ça sur le bois, allez! Bon alors, changement de plan. Je récupère la preuve et tu libères l'hippogriffe. Entendu? C'est le moment, on y va! Oh la poisse! Il doit y avoir un autre moyen d'accéder. Bah, évidemment, hein, ça, moi c'est... Forcément. J'espère que Nati n'a pas d'ennui. C'est sûr, ça tombe sur des. Sur moi, ces trucs-là. Revelio. Action. Levioso. Action.
Wingardium Leviosa, répulsion. Action. Wingardium répulsion. Action. Ce n'est pas l'endroit le plus facile à infiltrer. Wingardium Leviosa. Ah, il le fait automatiquement ? D'accord. Leviosa ! Après ça, j'irai à la taverne. Excusez-moi, je me suis un peu perdu. Je sais pas où je peux tuer des gens. J'ai une attaque, ok. Tu n'avais aucune chance. Je crois que j'ai aucune chance. Let's go. Ce n'est pas l'endroit le plus facile à infiltrer. Arrête tout de suite. Repulso. Confringo. Levioso. Wingardium Leviosa. Protego. De la chance. Ce n'était que de la chance. Bah, bon dos la chance, hein. Confringo, répulsion. Une erreur. Répulsion. J'en refuse. Confringo. Wingardium Leviosa, répulsion. Allô, Omora. J'espère que Nati rencontre moins de résistance. Bah, c'est sûr et certain. C'est le personnage principal. Tu vas rentrer chez toi les pieds devant. Les vieux sauts. Tu veux peut-être que je te repose. Tu n'es plus si sûr de toi. Les vieux sauts. Les vieux sauts. Dis-toi. Wingardium Leviosa. Qu'est-ce que c'est? Repulso.
Allô, Mora. Céleste, tout va bien. Là, du calme. Te voilà. Allez. Allô, Mora. Allez. Carrément, on n'a pas d'accueil devant. Et bien. C'est énorme. Le coup de Poudlard Express et tout. C'est le Poudlard Express. Il doit revenir d'un voyage imprévu. Avec la musique et tout. Let's go, comme dans le film. Allez, comme dans le film. C'est incroyable, non? Oh là. J'ai envie de pleurer. C'est immense. C'est génial. Incroyable. C'était tellement excitant. Je me suis même demandé si on allait s'en sortir. Il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Je maîtrisais la situation. Tu as réussi à trouver la lettre? Je l'ai arrachée des mains d'Arlo par magie. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il nous lance le sortilège de la mort. Il ne l'oubliera pas de sitôt. Reste sur tes gardes. Bien sûr. Alors, que disait la lettre? Que Rockwood recherche un phénix. J'ignore où il pourrait en trouver un. Mais elle contenait aussi les ordres d'Arlo demandant au braconnier d'inspecter ce château. Ça suffirait à relier Arlo à ses crimes. Je vais remettre la lettre à l'officier Singer. Il faudra bien qu'elle agisse en la voyant. Mais dis-moi, où est-ce que tu as rencontré ces hippogriffes? J'ai rencontré El Celeste il y a peu, grâce à Poppy. Poppy Sweeting connaît un hippogriffe? J'aurais dû m'en douter. Poppy sera soulagée de savoir qu'El Celeste est en sécurité. J'ai bien fait de te demander de l'aide. Ma mère va s'inquiéter. Je dois partir. Reviens vite me voir. J'aurai beaucoup de choses à te raconter.
Bon, si on s'amusait un peu. Alors, allez, let's go. Qui vient de rejoindre le live. Je suppose que vous avez reçu des nouvelles de votre ami Gobelin. Retrouvez-moi dans la salle de la carte pour en discuter et décider de la marche à suivre. Regarde-moi ça, j'arrive à vous laisser un épaulé. On va voir si... J'ai pas pu réussir tout à l'heure. On va voir si on fait comme dans le film. Let's go! On fait un piqué, allez! Wouhou! Ah, il est super, hein? Pas la bug. Ah, dès qu'il touche l'eau. Oula. Ouais, tu feras un tout d'art, on est plus vif. Let's go.
comment ils font. Plus vite, elle céleste. Ok. C'est dans mon sang d'après ma mère. Le jeu de boule là. Let's drive. J'ai tenté de mettre la pression à Hominis à propos du scriptorium de Salazar Serpentard, mais ça n'a pas fonctionné. Rejoins-moi devant la salle commune de Serpentard. Il faut qu'on parle. Allez, c'est parti. On va faire cette quête là. On va prendre Andoloris là. Alors. L'enfant perdu. Bon, on va être dans la chambre de secret, je pense. Hein.
Ah, je vous jure. Je vous jure, je vous jure. Ah, on est en train de charger normalement. Normalement, ça charge là. Pourquoi ça charge pas? On va se faire défoncer. Oh là là, putain, je casse les couilles là. Normalement c'est bon. Ah. Il y en a une potato clé. Allez où la potato clé? Bah moi je ne vais pas balader partout. Hein. Bon tant pis, je verrai ça plus tard. Non, fais gaffe, je suis pas commode. Le voilà. Fantastique. J'ai reçu ton hibou. Que s'est-il passé avec Ominis? Je lui ai dit qu'on ne pourrait pas éviter la magie noire éternellement. Alors, plus on en sait sur Salazar Serpentard et la magie noire, mieux on sera préparé. Malheureusement, seuls les Gaunt savent où se trouve l'entrée du scriptorium, et Ominis refuse de me le dire. Peut-être que je devrais essayer d'aller lui parler. Toi ? Ça ne coûte rien d'essayer, mais ne te fais pas trop d'illusions. Ominis est très têtu. Il l'a toujours été. Je sais où il est. Je vais t'y emmener, puis je vous laisserai. Allons-y. Attends, je suis en train de me faire le... Par ici. C'est déjà 13h. Eh ben dis donc. Hop, allez, on y va. Garde l'œil ouvert. On ne sait jamais qui nous observe. Bien que cela ne nous ait pas arrêtés jusqu'à présent. En réalité, si. On s'est fait prendre. Fichu esprit frappeur. Il est vraiment pénible. Je suis jamais passé par là. Non, je crois pas. Hein. Le voilà. Bonne chance. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Ominis. Est-ce que tu as un instant? Que se passe-t-il?
Qu'est-ce que vous manigancez encore avec Sébastien ? Je te dois des excuses, Ominis. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi au sujet de la crypte. Sébastien me l'a montré. Il voulait que je puisse m'entraîner à lancer des sortilèges en toute sécurité pour rattraper les autres élèves de 5e année. Il ne pensait pas à mal. Ça se tient, j'imagine. C'est juste que Sébastien n'arrête pas de m'embêter en ce moment et je suis en colère contre lui. Ne me dis pas qu'il parle encore de ce scriptorium. Parce qu'il t'en a parlé ? Oui, nous parlions des origines de notre maison et il a abordé le sujet. Mais il n'a pas voulu m'en dire beaucoup plus. Eh bien, il pense que le scriptorium renferme un moyen de sauver Anne. Je pense qu'il est surtout plein de magie noire et qu'il vaut mieux éviter de s'en approcher. Mais tu n'y es jamais entré ? Bien sûr que non. J'en connais seulement l'existence grâce à ma tante préférée, Noctua. Elle et moi, on pensait pareil. Elle n'était pas d'accord avec notre famille au sujet de l'utilisation de la magie noire. D'ailleurs, elle pensait pouvoir convaincre ma famille que Salazar Serpentard ne se limitait pas à un culte du sang pur. Elle avait entendu parler de ce scriptorium et pensait que ce qu'il renfermait pourrait nous en apprendre plus sur lui. Elle avait même trouvé l'entrée secrète dans ce couloir. Elle écrivait souvent à mon père au sujet de ses tentatives pour y accéder. Et puis elle a disparu. Plus personne n'a jamais essayé d'y entrer. Je compatis pour ta tante. Tu n'aimerais pas comprendre ce qui lui est arrivé ? Noctua s'est engagée dans cette voie avec de bonnes intentions, et ça lui a coûté la vie. Je ne veux pas que ça se reproduise. L'histoire ne se répétera pas forcément. Et puis, tu as dit que ta tante et toi partageaient les mêmes idéaux. Tu pourrais peut-être lui rendre hommage, obtenir des réponses au sujet de Serpentard, et aider Sébastien à trouver des réponses pour Anne. Ta tante était seule. Nous sommes trois. Je vois où tu veux en venir. Et je dois bien l'avouer, tu m'as convaincu. Je ne pensais pas ça possible. Très bien, je vais vous dire ce que je sais. Va chercher Sébastien, je vous attends ici. J'espère que je ne vais pas le regretter. Sébastien, par ici. Confringo. Accès au scriptorium. Pendant que tu décides à parler, tu ne voulais rien me dire, même quand je te suppliais. Ce n'est pas toi qui m'as dit ce que j'avais besoin d'entendre. Le système d'ouverture a un lien avec le chiffre 3. Eh bien, trois têtes valent mieux qu'une. Normalement, c'est deux têtes, pas trois. Et en suivant ta logique, trois têtes valent mieux que deux. Réveillon. C'est le base des mathématiques, Ominis. Ok. Les Léviosos. Confringo. J'espère qu'on sera à la hauteur. Ah, j'ai envie de me faire entendre, nous n'avons pas à nous servir de la magie noire comme le précise le préconisait ma famille. En arrivant dans le scriptorium, je trouverai la preuve que Salazar Serpentard accompagné plus que l'on croit, j'ai écrit à mon frère. Il sait maintenant comment j'ai accédé à l'entrée du couloir. Ce qu'il existe par deux, le chemin direct. Il s'agit d'un labyrinthe au nombre de défis. J'espère que mon frère okay. Un extrait de journal, signé par Noctua Gaunt. Gaunt ? Gaunt ? Mais c'est ma sœur. Mais non, mais... Oh, putain, mais à chaque fois... Ta famille était ici. Je sais. Réparo. C'était ma tante. Les gravats ont formé une sculpture d'une personne qui affronte un serpent. C'est sûrement ça, la voix que j'entends. Ah non, j'entends des sifflements. La voix est ancienne. Tu entends une voix ? Ça a commencé quand tu as réparé le relief. J'entends une voix qui me parle. Je parle fourche-langue. Je comprends les serpents et je peux leur répondre. Presque tous les fourche-langues sont des descendants de Salazar Serpentard. Si seulement tous les serpentards pouvaient parler aux serpents. Il vaut peut-être mieux pour toi que tu ne parles pas fourche-langue. C'est souvent associé aux mages noirs. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé fourche-langue.
Mais je suis sûr que si je le fais, la porte s'ouvrira. J'espérais que tu avais changé d'avis. Nous n'avons aucune raison d'arrêter maintenant. Quelle ironie. Quand j'ai quitté la maison, j'ai juré de ne plus me mêler de la magie noire. Et pourtant, je suis là. Recule. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Ça a marché! Ominis, tu possèdes une capacité rare. Et vous deux, je commence à me sentir exclu. Nous deux? Je... Peu importe. J'ignore par où passer. Comme un labyrinthe. Salazar Serpentard voulait sûrement que ce soit difficile. Lumos, yo Lumos. C'est là. Lumos. Examine attentivement chaque porte pour trouver des indices. Revelio. Lumos. Confringo. Le cadran exige de la concentration. Le temps que tu as dit la même chose. Sûrement s'entraîner un peu avant. Cela n'augure rien de bon. Salazar Serpentard nous a compliqué la tâche. Lumos. Salazar Serpentard a enfui ce scriptorium profondément sous Poudlard. J'ai peur de perdre mon chemin dans ces couloirs obscurs. Gibbot, jeune descendante, je me sens pas la bienvenue. Allumer ces brasées roses dans le couloir m'aide beaucoup. Je me montrais forte, j'avançais en relevant chaque défi l'un après l'autre. Cet extrait de journal, il parle de ce qu'on ressent quand on est perdu et rejeté. Pauvre tante Noctua. Lumos. Alors que nous sommes dans un labyrinthe conçu par Salazar Serpentard. Qu'est-ce que... Alors... Un autre portail. Serpentard était plutôt joueur. Aide de famille. Regarde-toi dans une glace, Sébastien. Ok. Ça s'est ouvert en associant les symboles. Lumos. C'est ce que je comptais faire, mais il m'a devancé. Ok, donc là, ça serait... Ok. Genre de taureau. Avec la maison. C'est prometteur. Encore un cadran résolu. Impressionnant. Excellent travail. Ah, c'est moi qui fais tout. Hein. Extraordinaire, sauvage et périlleux.
Et si en enrichissant, je trouverai bientôt le scriptorium de, et je leverai le voile sur les mystères entourant le fondateur de notre maison. Salazar Serpentard avait de grands projets pour nous, j'en suis sûr. Noctua évoque des épreuves douloureuses et difficiles, mais aussi des récompenses. Douloureux, c'est ce qui m'inquiète. Tout ce que j'ai entendu, c'est récompense. On doit continuer. Donc là, c'est ça avec les triangles. Okay. D'autres énigmes nous attendent. Examinez chaque couloir. Il est sans doute difficile de déterminer où il mène. Protego ! Action ! Lumos ! Il y a le secret avec le serpent là. Réparo. Confringo. Réparo. Lumos. Réparo. Confringo. Lumos. Lumos. Ok. Lumos. 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 Action. Confringo. Lumos. On fait pour... Revelio. Lumos. Comment qu'on fait? Attends. Ah bah voilà. Réparo. Voilà. Confringo. Lumos. Encore? Donc là c'est dès que... Plus accueillant. Comme ça... Voilà. Très bon travail. On se rapproche du scriptorium. J'ai échoué sur le cadran, il s'est jeté sur moi comme un vrai serpent, mais je dois trouver un moyen d'avancer pour le salut de ma famille. Les enfants ne devraient pas suivre des vieilles traditions, ce scrutin devrait contenir la preuve que notre héritage est bien plus grand qu'il paraît. Hominis, ta tante voulait changer les traditions de ta famille. Oui, et c'est pour cette raison que Lumos. Je l'adorais. Je vois quelque chose là-bas. C'est troublant. La porte! Je crois que nous sommes de nouveau bloqués. Salazar Serpentard n'en a donc pas fini avec nous. Trop sûr. Hominis, un squelette. Et le dernier extrait du journal de Noctua. Elle dit qu'elle était piégée ici par un sortilège impardonnable. C'est ici qu'elle est morte. C'est ici que nous mourrons. Confringo. Lumos. Je suis sincèrement désolé pour ta tante. Mais je sais quoi faire. Ce sera difficile. Ah,
Tu as dit que tu savais quoi faire ? Des visages torturés sur la porte et le mot Andoloris gravé dans la pierre. Non. Je pense que si on lance le sortilège Doloris, la porte s'ouvrira. C'est pour ça que Noctua est morte. Elle n'a pu lancer le sort sur personne. Hominis a le plus d'expérience. Il devrait le lancer. Hominis semble prêt à t'écouter. Tu pourrais lui demander ? Il a l'air d'être en colère contre toi. Je vais aller lui parler. Bien. Use de ta magie. Si seulement on avait un peu de chance liquide. Tout cela aurait pu être évité. Hominis, je ne pensais pas qu'on finirait dans cette impasse. Salazar Serpentard y avait pensé. Il s'est rendu coupable de choses impardonnables. Je vous ai entendu avec Sébastien, et je refuse de le faire. Le sortilège Doloris, c'est de la torture, et j'en sais quelque chose. Sébastien m'a raconté ce qui s'est passé quand tu étais enfant. Tu n'avais pas d'autre choix. J'aurais dû savoir qu'il t'en parlerait. Et on a toujours le choix. Je suis aussi coupable que les pires membres de ma famille. Les sortilèges impardonnables ne fonctionnent que si on le veut vraiment. La douleur que j'ai infligée était volontaire. Et je ne me le pardonnerai jamais. C'est à cause de ce sortilège que je n'ai plus de famille. Sébastien et toi allez devoir trouver une autre solution. Si tu lances Andoloris, tu le regretteras toute ta vie. T'en sais rien, hein. Protego ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Hominis n'acceptera pas de lancer le sortilège Doloris. C'est ridicule. Comme s'il valait mieux mourir ici plutôt que lancer un fichu sort. C'est à nous d'agir. Je peux t'apprendre Andoloris, ou bien te le lancer. Attends, tu m'as pas dit que tu savais lancer Andoloris. Je ne sais pas si c'est le cas. Hominis le sait, pourtant il ne nous laisse pas le choix. Je n'ai pas envie de finir comme Noctua Gaunt. Je pense pouvoir le faire, s'il le faut. Je veux apprendre le sortilège. Il vaut mieux que je le fasse sur toi. Très bien. Si c'est ce que tu veux. Pour lancer le sort, lève ta baguette, pointe-la sur moi, et dis fermement Andoloris. Tiens aussi longtemps que possible. Ah, ça va, là, je me suis pas trompé. Boum. Tu es prêt ? Je suis prêt. Drake, bah, il était bien, pourtant... Est-ce que ça va ? Cette douleur... J'aurais tout fait pour qu'elle cesse. Mais je m'en remettrai. Continuons d'avancer. On a réussi. On a trouvé le scriptorium de Salazar Serpentard. Je n'arrive pas à y croire. Et bien. Mon chef, les emplacements. Alors. Bon, déjà ça. 23, j'allais dire. Ah ouais, bah ouais, clairement. C'est bon dessus là. Ouais. J'ai pas l'armure. Si. Hop. 23, 39, on détruit, hop. Comme ça au moins, hop, on peut prendre ce qu'il y a dans le coffre. Ah,
foudre pour un échafaud. Oh. Sébastien, Ominis, il y a un livre, juste ici. Tu as trouvé quelque chose ? Confringo ! Allez-y, et dites-moi ce qu'il y a dedans. Je vais explorer les environs. Revelio ! Alors, je crains que nous parvenions jamais à un accord. Je n'arrive pas à ramener un seul d'entre eux. Elle a raison. J'espérais l'opinion de Godric serait proche de la mienne, qui comprendrait pourquoi il fallait des élèves de qualité, mais il s'est mis à croire à la théorie ridicule qui voudrait que les Némoldus soient aussi capables que les sorciers de sang pur. Il s'est énervé quand je lui ai exposé mes réserves sur la question, alors qu'il ne l'avait jamais abordé auparavant. Je suis las de ce conflit. Je ne peux plus supporter de voir ce couloir rempli d'enfants, ineptes qui font passer pour des sorcières et des sorciers. C'est avec le corps que je réalise que je dois partir. Je placerai la créature dans un état de sommeil profond, isolée dans l'attente d'être réveillée par une personne qui partage mes opinions, un descendant qui se portera volontaire pour corriger les erreurs que les autres ont si négligemment commises. Il débarrassera Poudlard de ceux qui en sont indignes et qui ne font que souiller mon héritage. La chambre secrète. Là, genre, tu bois ça alors qu'il n'y avait personne depuis longtemps. Revelio. Qu'est-ce que tu en penses ? On dirait une sorte de livre de sorts. C'est incroyable ! Un objet ayant appartenu à un fondateur de Poudlard. Quel honneur! Pourquoi Omenis ne m'a-t-il jamais parlé de sa tante et de sa découverte? Qu'est-ce que tu vas faire avec le livre de sorts de Serpentard? Ce que je fais avec tous les livres, je le lirai. C'est une habitude que m'ont inculqué mes parents. Mais je ferai ça plus tard. Pour l'instant, explorons cette pièce. C'est époustouflant. Oh, ça va. Je ne veux pas partir, mais... je vous dois une fière chandelle à tous les deux. Sans vous, on n'y serait jamais parvenus. Nous avons de la chance d'être encore en vie. Nous devons jurer de ne plus jamais faire une chose pareille. Revelio. Je vois la sortie. Enfin une bonne nouvelle. Tante. Sébastien, s'il te plaît. Je pensais vraiment ce que j'ai dit. Nous devons jurer de ne plus jamais nous frotter à la magie noire. C'est promis. Je suis sincèrement désolé pour ta tante, Miss. Lumos, action. Après tout ce qui s'est passé, je suis reconnaissant de savoir ce qui lui est arrivé. Merci. J'ignore ce que j'ai fait pour mériter ça. Le défi des clés du Dédale se déroule bien. Eh ben... putain, il faut que je fasse tout ça. Mais ils sont sérieux, là, ils ont pété un câble. Alors, au niveau des défis, hop... magie noire, normalement. Mais
maîtrise d'Andoris, voilà. Mes débuts dans la magie noire, comment ça se fait? Je serai le mage noir le plus puissant de cette décennie, de ce siècle. Ouais, niveau des quêtes, hop. Sur le toit de. Sur le droit chemin, ouais. Devoir de professeur. Flipendo. Quoi ça sert d'avoir Flipendo alors que. Je crois que je vais m'en poser un petit peu après. Enfin, moi j'aurais dû aller dire grâce à ce genre de monde. Chick, aimerez-vous parler quand vous aurez un instant? Bonjour, Chick. Le professeur Weasley m'a dit que tu voulais me parler du métier à tisser. Ah, bonjour. Oui, à propos, Chick a eu une idée. Il... Bordel! Qu'est-ce que je vais faire? Oh, oh, la salle doit penser que vous avez besoin de plus d'espace pour vos créatures. Mm-hmm. Chick voulait vous dire qu'il a eu une idée. Chick sait comment vous pouvez tester le vêtement que vous avez amélioré avec le métier à tisser enchanté. Et peut-être venir en aide à un vieil ami au passage. Qu'est-ce que tu veux dire? Un elfe de maison nommé Tobbs récupère du jus de sangsue pour son maître dans une grotte près de Poudlard. Le maître de Tobbs lui interdit de quitter la grotte, et Chick sait qu'elle est infestée d'araignées. Ça a l'air horrible. Oui. Chick n'a pas eu de nouvelles de son ami depuis un moment. Comme l'objet que vous avez fabriqué avec le métier à tisser possède un enchantement utile, Chick a pensé que vous pourriez le tester en allant voir si Tobbs va bien. Je comprends. Je m'en occupe, Chick. Je vais retrouver Tobbs. Oh, merci. Revenez dire à Chick ce que vous aurez découvert au sujet de son vieil ami. Ah bordel, waouh. C'est
C'est génial cet endroit-là. Revelio. Oh bah alors. Je veillerai bien sur toi.
Bah, là, j'allais dire. Ah, tant que c'est pas une mission, il n'y a pas de préfet en fait. Je peux me balader en tant que jeu. Lumos. Je fais cette dernière mission là, puis je vais me reposer un petit peu.
C'est sûrement la grotte de Tops. Je devrais y entrer. Confringo, Confringo. J'ai juste à envoyer une photo. Arrête au momentum. Confringo. Tobbs, tu as trois fioles en dessous du quota. Tu sais que ça signifie que mes fidèles clients n'auront pas leur solution de ratatinage de ce sinus. Suite à cette grossière erreur, tu recevras aucune nourriture pendant une semaine. Je m'attends aussi à ce que tu te punisses dignement. Quand je reviendrai pour la prochaine cargaison, j'espère bien te trouver plein de bandages, ensanglanté plutôt qu'avec ton sourire stupide de d'habitude. Si tu n'as pas le quota, augmenté de 5 fioles, tu perdras bien plus que ta ration de nourriture. D'accord. Le maître de Tobbs est horrible. Ouais. Jus de sangsue. Revelio. Tobbs, Chick m'envoie. Tu es là? Confringo, Montego. Montoris. Confringo. Confringo. Montoris. Ce sera un incendio avec Incendio. Arresto momentum. Levioso. Incendio. Montoris. Bah, ça n'est en feu. Incendio. Tobbs est passé par là il y a quelque temps. Il a dû s'enfoncer plus profondément dans la grotte. Protego. Incendio. Legioso.
Incendio. Levioso. Arresto momentum. Tout vient à point, à qui sait attendre. Revelio. Arresto momentum. Levioso. Ce bruit n'augure rien de bon. Confringo. Évidemment. Oh, c'est moi, c'est quoi? Je vais essayer. Allez, à tout à l'heure, mes gens. Bisous.